Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Clément Gossard. Aujourd'hui, on va épandre des champs avec le petit épandeur et le petit Voltra. Hop. On va finir aussi les patates, les pommes de terre. Pommes de terre, les carottes, ils sont où? Allez, on va oublier l'autre et une pomme de terre. Et après qu'on a fait le champ là, on va y aller là. Là, ici. Alors on va faire peut-être du foin aujourd'hui. Les cochons, ça y est, je les ai ramenés. Alors le ils ont du lait. Ils ont plus de paille, ils ont plus de foin. Là ils ont encore de la paille, ils ont encore du maïs, du colza. Alors, on va y aller planter. Déjà, y aller. Je sais pas. On va pulvériser un autre champ. Ah oui, mais aussi, il n'y aura pas. On aura pas assez. Du coup, on va y aller, on va retourner à la ferme. On va remplir parce qu'il n'aura pas assez pour le champ. Il y a déjà 2 minutes de vidéo. Voilà. Alors, on va y aller. 3 minutes de. On va aller dedans. Après, on va y aller planter un peu de blé, du maïs et après faire du foin. Okay. Alors, le blé, je vais le planter là après. Bon, je vais y aller pulvériser le champ pas loin de la ferme. Prendre l'ancienne, je vais la bouger parce que. Allez, que je coule. On va aller pulvériser le champ. La bonne. On va se mettre au pulvérier. Bon, au moins, épandre tous les champs.
essayer de défendre tous les champs et puis de semer du blé au moins 3-5 champs. 5 champs, ouais. Préparer un tracteur pour le semis en gros pour le semis de blé de maïs. Je sais pas si je peux continuer. Enfin, s'il y a des déchaînés de là, on va le déchirer comme ça en longueur comme ça. Et voilà, il est pas grave. Un total. Donc on va y aller. Faire le champ de le dernier champ de patates. On va bouger celui-là. On va y aller nettoyer la benne. On va passer au gazon en même temps. Et nettoyer la benne et le tracteur. On va y aller ranger la benne. Prendre le semoir. Le semoir moderne stade. Allez, on range la benne. Hop, play. Alors là, on va faire une petite manœuvre, c'est quoi? On va bien les ranger sur le côté. Prendre le semoir. D'ailleurs, je sais pas d'où c'est qu'il est. On va prendre déjà le épandeur pour répandre l'eau. Là on va ranger aussi cette benne là. D'ailleurs je sais pas où ils sont les semoirs. Faut que j'y vais les chercher. Mais je pense qu'ils sont là-bas. Par là-bas.
Et voilà, j'ai racheté une nouvelle batteuse aussi, Yolande. La petite Yolande. Je pense qu'ils sont là. Je suis sûr. Et si, hé. Alors, il allait planter le blé. Et vache, oh la vaille, hop. Le remorque, il y aller la mettre au fond de peut-être. Le champ, voilà, très bien, elle est pleine de la machine à noter. Vu que le champ il est fait là, on va partir par là. On va essayer de faire le maximum aujourd'hui. D'épandage. Le semis aussi, c'est une blé. C'est une maïs, on va peut-être le faire dans une vidéo, peut-être. Sinon, ça va trop long. Pour. Regarde. Le dos, il dure entre 20 et. Dans les 20 minutes, quoi. Entre 10 et 20 minutes. Même un peu plus que 20, des fois. Quand c'est. J'ai du taf. Bon, du coup, et puis on va prendre quoi derrière, le petit dot. Il veut pas le. Il va galérer aussi.
Bon, on va prendre le sonar. On va aussi aider l'autre, le de l'un d'eux à y aider à grandir. Ce hop. Alors, les vidéos c'est le mercredi et le vendredi soir quand j'ai le temps et des fois c'est le samedi. Samedi quand même. Et là je vais. Là le mercredi c'est Vexy. Ou le samedi aussi je vais essayer de Vexy. Alors, ça, c'est pour le traîner, mais c'est pour l'avancer quoi? Là, moi je suis nerveux. Là, la vendeuse. Du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de gains pour. Il va tout finir. Ah oui, c'est normal, il avait pendu avant. Du coup, c'est normal que ça puisse plus vite. Hop, il a fini de les peindre. On va y aller peindre maintenant les prés. Autant. Je vous laisse sur cette vidéo. Bye bye.